Sega. Salut à tous et à toutes, c'est Lynxy. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test de Sonic et All-Star Wrestling Transformed sur Wii U. Je vous avais déjà fait un petit aperçu sur la version PS3 à partir de la démo, ayant eu pour Noël la version Wii U, je ne pouvais pas passer au travers. Commençons simplement avec les personnages que vous allez pouvoir utiliser. Ils sont au nombre de 12, vous pourrez encore en débloquer 13 supplémentaires au fur et à mesure que vous avancerez dans le jeu. Donc ils sont tous issus de l'univers Sega, hein. On peut voir Sonic, Tails, Knuckles ou encore Ai-Ai, BD Joe, Metal Sonic, Mimi, enfin il y a tout un tas de personnages, Amy, il y a tout un tas de personnages. La particularité dans ce jeu se trouve au niveau des niveaux que vous allez traverser. Tous les niveaux que vous allez traverser vont être issus de l'univers Sega. Donc on a par exemple un niveau rappelant Sonic. Et les niveaux sont faits de manière à ce que vous puissiez les reconnaître. C'est-à-dire que là, par exemple, on est sur un niveau de Jet Set Radio. Si vous parcourez le niveau de Jet Set Radio en ayant joué au jeu de Jet Set Radio, vous allez reconnaître certains endroits dans le niveau. Et ça, c'est vraiment pas mal. On a aussi du Samba Amigo. Samba des Amigos, pardon. On va avoir également un niveau qui m'a, moi, énormément plu sur Afterburner. Où là, on est pas mal dans les airs. Il y a pas mal de séquences dans les airs, on va passer au-dessus des porte-avions et des bateaux, etc. On a également des niveaux tirés, enfin un niveau tiré de Outrun et tout un tas de choses comme ça. On a également du Panzer Dragoon. Bon, on va commencer donc sur le niveau de Outrun avec le personnage que j'ai choisi pour vous faire ce petit début de vidéo sera Knuckles, tout simplement parce que j'ai adoré le véhicule qu'il conduit, la moto. Vraiment superbement faite et qui correspond parfaitement selon moi au personnage. Autre grosse particularité donc de ce jeu, vous l'aurez compris, c'est un Mario Kart like. Donc il y a des boosts qu'on peut récupérer sur le terrain, comme vous le voyez là, les boosts violets, ils sont également présents dans les airs et dans l'eau. On a des power-up. Et grosse particularité du jeu, au niveau du gameplay, les niveaux vont se transformer de temps en temps. Et vous allez basculer sur un gameplay où votre véhicule va se transformer donc en bateau par exemple quand on va être sur l'eau et également en avion quand nous allons être dans les airs. Au niveau donc du gameplay, quand on est dans les airs, on est en full 3D, c'est-à-dire qu'on peut aller à gauche, à droite, mais aussi en haut, en bas. On n'est pas limité sur un seul plan. Donc là, comme vous pouvez le voir, voilà, je me suis transformé en avion. On récupère les power-up à la Mario Kart. On passe dans ces espèces de flèches violettes qui permettent d'avoir du boost. En passant sur les petites fioles, on récupère des power-up qui sont nombreux. Hein. Je vous en ai fait une petite sélection vers la fin de la vidéo que vous pourrez voir. Là, on se retrouve maintenant sur un niveau donc, de Panzer Dragoon. Là, comme vous le voyez, un espèce de verre a cassé le niveau et le niveau bascule en temps réel en mode avion. Donc, c'est vraiment super sympa à jouer. Graphiquement parlant, j'ai été surpris par cette version Wii U puisque elle est en 1080p, contrairement à ma version sur PlayStation 3, donc c'était que la démo certes, mais la version sur PlayStation 3 tournait en 720p, donc j'avais été obligé d'upscaler le rendu pour pouvoir vous la proposer en visionnage en 1080p. Là, sur cette version là, on est vraiment sur du 1080p plein, les graphismes sont hauts et en couleur. Alors oui, ça sera certainement pas le plus beau jeu, toute console confondue, qui est sorti. Mais moi, le rendu et l'aspect graphique me plaît particulièrement sur ce titre. Je le trouve vraiment joli. Au niveau de la maniabilité, rien à redire, c'est vraiment impeccable. Un petit temps d'adaptation peut-être pour les diverses formes, comme le bateau qui va avoir une inertie quand on tourne. Mais vraiment du tout bon. Les niveaux sont vraiment magnifiques. Me rappelle pour ma part les jeux auxquels j'ai pu jouer durant mon enfance, puisque j'étais un grand fan de Sega. Tout ce qui est Mega Drive, Master System et Saturn, j'ai possédé. Donc ça me fait plaisir de retrouver des niveaux comme ça sur des anciens jeux ou encore la Dreamcast. Le jeu est très joli, comme je l'ai déjà dit. Vraiment super, super intéressant à jouer. Propose pas mal de possibilités. Les personnages prennent des niveaux. Grâce à ces niveaux, vous allez débloquer donc des modifs pour votre véhicule, à savoir que votre véhicule va pouvoir être plus rapide ou plus puissant ou plus résistant. Le seul personnage, comme je le disais, où j'ai tout débloqué jusqu'à présent, c'est Metal Sonic. Donc là, vous pouvez voir, voilà, il y a un mode turbo, un équilibre max et un mode modif console. Ça, c'est le mode que vous allez faire. On va, en plus des circuits classiques, avoir également
des circuits comme vous le voyez maintenant, où on va avoir un timer et des objectifs à remplir. Donc là, pour ce circuit-là, il faut réussir à faire des drifts sur les zones rouges qui se trouvent par terre, essayer de ne pas rater les boosts, et quand vous effectuez les drifts sur ces zones, bah, vous gagnez du temps supplémentaire pour pouvoir continuer le niveau. Donc ces niveaux sont relativement ardus, ils sont présents dans le jeu, à plusieurs reprises, sont relativement ardus. Quand ça se passe dans les airs, on a des petits portails qu'il faut franchir et des checkpoints avec lesquels on regagne du temps. Donc ces niveaux sont relativement durs, mais il fallait avoir le mérite de les présenter. Autre petite particularité du titre, avant chaque niveau, vous avez ce petit décompte où vous pouvez dépenser des pièces qui vous permet de commencer par exemple un niveau avec un power-up déjà utilisé. Au niveau des power-up, parlons-en maintenant. Donc, on a par exemple le gant qui va vous permettre, si jamais un ennemi utilise un power-up contre vous et que vous avez le gant, vous le récupérez, vous allez pouvoir le réutiliser. La transformation maximum du jeu, c'est la transformation All-Star, symbolisée par une étoile. Vous vous transformez, quel que soit le plateau, en aéronef. Et donc là, vous gagnez en rapidité et vous êtes invincible temporairement. Une autre, la glace. Pour sa part, si vous arrivez à coller les 3 boules sur la personne, il se transforme en glaçon et donc ralentit. Donc je vous ai mis une image de moi qui le prend maintenant. Le ralentissement va m'empêcher de pouvoir prendre le rond bleu qui se trouve juste en face et me transformer en avion. Enfin, il y a tout un tas vraiment de power-up vraiment sympa. Donc là, on va voir la tornade. Je vous en ai sélectionné quelques-uns comme ça pour vous faire cette petite présentation et pour vous montrer un petit peu toutes les étendues et toutes les possibilités qu'offre le titre. C'est vraiment un titre super sympathique. Moi, pour ma part, j'ai accroché dès le départ. J'aime beaucoup, c'est pour ça que je voulais vous en faire une petite présentation. Libre à vous maintenant de me dire dans les commentaires ou via le like si ce jeu vous a plu. Et pour terminer sur une image de gloire, j'ai choisi donc la fin d'un championnat que j'ai remporté avec Amy en finissant premier. Donc je vous laisse sur ces quelques images de la cinématique de fin de Grand Prix. Je vous souhaite pour ma part de bien vous amuser et je vous dis à la prochaine. Allez, à ciao tout le monde !